c'est tomates farcies. Je vais pas les faire à la charte aussi, je vais les faire avec de la viande hachée. Pour cette recette, et là c'est pour 5, puisqu'à la maison on est 5. Donc là, j'ai épluché un oignon, je l'ai coupé en morceaux et puis je l'ai haché. Et puis là, ce que vous voyez ici, c'est la chair des tomates. Et eh bien, parce que qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, bien sûr, j'ai lié mes tomates. Voilà. Et la chair, eh bien, je l'ai hachée. Ensuite, 300 g de viande hachée. Un verre de vin blanc. Il nous faudra de l'eau. On va partir sur une base de 200 ml. Et là, je vais faire cuire également du riz. On a 300 g. Et puis, là, je vais prendre du persil déshydraté. Il me faudra, eh bien, du poivre. J'ai mon sel qui est tombé. Il faudra, eh bien, du sel. Et puis, on mettra une cuillère à soupe de concentré de tomates. Eh bien, c'est parti. Allez, je vais ajouter à ma viande hachée la chair de tomate et l'oignon. Et je vais mélanger tout ça. Ben moi, je prends les mains. Bien sûr, je me suis lavé les mains avant. Là, j'essaie de bien mélanger tout ça. Maintenant, je vais saler. Je vais poivrer. Je vais ajouter ma cuillère à soupe de concentré de tomate. Je vais ensuite saupoudrer avec du persil. Je vais ajouter la moitié de mon verre de vin blanc. Et maintenant, je vais garnir mes tomates. C'est parti. Alors, je prends ma cuillère. Bien les garnir et on va remettre le petit chapeau sur la tomate farcie et on va faire pareil pour les quatre autres. Et bien ça y est, j'ai farci ma tomate, on va pouvoir passer à la suite de la recette. Et là, la prochaine étape, c'est quoi? Et bien, on va tout simplement déposer le riz dans la cuve. Donc je dépose mon riz dans la cuve. Je vais ensuite déposer, eh bien, mes tomates dans la cuve également. Là, ce qui est bien avec le riz, c'est que ça les cale. Voilà. Ah oui, en fait, s'il vous reste un petit peu de viande hachée, parce que ça dépend en fait de la taille des tomates. Ben vous n'hésitez pas, ce que vous faites des petites boulettes et puis vous jetez ça dans la cuve sur le riz et puis vous recouvrez d'eau. Donc maintenant, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais mettre mes 200 ml d'eau. Je vais ajouter le reste ben de l'autre moitié du vin blanc que j'avais pas mis tout à l'heure. Là, je vérifie que mon riz soit eh bien recouvert. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Voilà, une petite larme. Et puis bah maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais programmer la cuisson de mes tomates farcies et de mon riz. Allez, pour la programmation, on passe en manuel, on passe en cuisson rapide. Donc là, pour le temps de cuisson, ben, qu'est-ce que je fais? J'ai regardé le temps indiqué sur le paquet de riz, c'est 10 minutes. Et puis, je vais diviser par deux, donc je vais mettre 5 minutes de cuisson. Voilà, je me fie sur le temps de cuisson du riz. Et je fais OK. Avec un départ immédiat, je peux fermer mon couvercle. Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette. Et bien, ça y est, ma cuisson est terminée. Je vais pouvoir arrêter mon cookéo. Et eh bien, il ne me reste plus qu'à servir mes tomates farcies et mon riz chaud. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.